Alors, j'ai pris des cours de violon pendant 10 ans, de 8 ans à 18 ans. Et alors, pour la grande timide que j'étais, ça n'a pas été de tout repos. Par exemple, j'ai jamais su si je pouvais tutoyer mon professeur ou si je devais le vouvoyer. Du coup, je passais un temps dingue à tout reformuler dans ma tête pour ne pas utiliser ni tu ni vous. Alors, on dirait pas comme ça, mais essayer 5 minutes dans une conversation de n'utiliser ni tu ni vous, vous verrez, c'est pas si simple. Et alors ça se corsait quand mon professeur me posait des questions du genre « Qui est-ce qui a les partitions? C'est toi ou c'est moi ?» Alors à ce moment-là, bah, je répondais « C'est pas moi » ou « Hum-hum ». Et d'ailleurs ça, il en parle encore, c'est qu'en réalité j'étais tellement timide que je lui répondais toujours par « Hum-hum » ou « Hum-hum ». Et bon, maintenant on en rigole, hein. Mais ce que je trouve vraiment dingue finalement, c'est que moi j'étais pas capable de lui parler, mais lui il arrivait à me faire m'exprimer par mon violon. Il faut quand même sacrément surpasser cette humilité finalement pour jouer d'un instrument. Et lui, il a réussi à m'apprendre à avoir confiance en moi quand je jouais. Et cette confiance en moi, j'en ai eu besoin pour progresser, surtout arriver à un certain niveau. Et finalement, je pense qu'il m'a permis de trouver un nouveau mode de communication et ça m'a beaucoup aidée. Et après ça, bah, j'ai arrêté le violon, j'ai quasiment pas retouché mon instrument pendant plus de 10 ans. Et évidemment, ça m'a beaucoup manqué. Donc récemment, j'ai repris les cours avec un nouveau professeur via Allegro Musique. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, je me suis retrouvée plantée là devant mon prof, avec la timidité de mes 10 ans. Mais heureusement, il m'a très vite fait travailler la confiance en moi et la confiance en mon instrument. Et ma timidité se dissipe court après court. Mais maintenant, je me demande pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de reprendre la musique et surtout avant de retrouver ce mode de communication qui me correspond et qui me permet d'extérioriser ce que je ressens.